Et nous revoilà sur notre belle planète. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez soif d'aventure, et ça tombe bien parce que c'est ça qu'on va faire ensemble. Pendant un moment. Je sais pas encore, mais après tout, c'est l'aventure, on explore, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Alors, donc, j'aimerais bien découvrir donc un peu de faune. Et donc, on va voir, alors, qu'est-ce qu'on a comme espèce? On a 8 espèces à découvrir. Très bien. Chose que je n'avais pas dit dans la vidéo. Donc si vous êtes là, vous en savez plus que tout à l'heure. Ça tombe bien. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir? Ah, des cargos échoués. On va aller voir s'il n'y a pas des beaux objets dedans. Ah. Oh, c'est du lourd ça. Plein d'objets qui vont pouvoir me servir, que je vais éviter de devoir crafter pendant des heures pour les utiliser. Ah, il y a quelque chose là-bas. Petite station. Alors. C'est beau. Y a pas d'animaux dans le coin. Ah, si, y a un truc là. Craintif, brouteur. Ça, il veut pas m'emmerder. Fais voir ta tête. T'as une tête de dino. Donc retournons par là, allez voir la station. Ou tiens non, on va continuer par là. C'est quoi ça là-bas? C'est un rocher. Un drone. Hop, ok. Donc en découvrant toutes les espèces. Tiens, il y a un truc pour moi là. Il est où le truc? Ah non. Ah, il y a des cris. Donc il doit y avoir des bêtes pas loin. Donc en découvrant les 8 espèces de qu'il y a sur la planète, je vais avoir des sous. Et une prime pour avoir les 100%. Et donc c'est pour ça que c'est quand même une petite carotte de suivre les bêtes. Et d'essayer de toutes les trouver. Ah mais dis donc, c'est vraiment qu'il y a un truc. Ah, eh ben c'est là, regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Et non, c'est pas la plante que je voulais, c'est vous. Mais c'est une variante, non? Ouais, la créature appartient déjà à une autre espèce. Tempérament proie. Bon, ça va, au moins ils vont pas emmerder ceux-là. Ah, une rouge là-bas. Donc ça veut dire que je ne la connais pas. Ah, nouvelle créature. Putain, j'adore. Elle est super cette planète. Et donc là, il y a les oiseaux. Alors les oiseaux, c'est super chiant à essayer de scanner. Où est-ce qu'ils sont d'ailleurs, ces trous de balles? Super chiant parce que ça bouge. Donc il y a une bonne vieille technique. Le vieil adage disait un oiseau mort est un oiseau est toujours un oiseau, hein. Et donc on va hop utiliser. Ah non, on va utiliser le rayon d'extraction pour. En choper un. Ah le salaud. C'est qu'ils sont coriaces. Hop là. Donc là maintenant le truc c'est qu'il faut juste le trouver. Parce qu'il est tombé quelque part. Mais dans cette luxuriante jungle, pas sûr de pouvoir trouver. Alors.
Ouch. Fais chier. Je devrais en tuer un autre. Je devrais en tuer un autre. Je n'ai pas vu tomber ce con. Alors. Voilà. Là, cette fois, je t'ai. Ah merde, il était là. Il est tombé là, pourtant. Ah, il est là. Parfait. C'est qu'ils sont bien cachés avec toute cette forêt, là. Hop. Tout ça, ça m'intéresse pas, moi. Moi, ce que je veux, c'est les créatures. Donc, faut quand même que je fasse gaffe à ma combi. Ah non, ça va, on est large. Alors, partons à la recherche de nouvelles formes de vie. La nuit va tomber. La nuit va tomber. Bon, on va aller hop par là. Ah la vache, elle est bien celle-là. Donc elle est toute bleue et tout là. Elle est pas mal du tout. En arrivant dessus, je pensais que ça allait être affreux. En fait, ça va. Le vaisseau est là-bas. Oh, il y a une grotte là. On déjà. Ah. Un peu de tamium neuf. Ça mange pas de pain. Hop. Le 14 août. On va. Alors. Ah, j'ai eu un antimatière là-dedans. Putain, mais décidément. Plus de piratage nécessaire. Très bien. Et il me faut 10 plutonium pour en faire une. Ça tombe bien, il y en a juste là. Voilà. Merde. Ah non, c'est bon. Alors. Vaisseau, on s'en fout. C'est ça. Ah, ok. Eh bien, je vais me débarrasser de rien. Mais je vais aller vendre. Pas ici, pas ici. Je n'ai rien pour vendre ici. Premier secours, ça me servait à rien. Nouvelle technologie. Ça c'est quoi? Transfert de stock, quelques sous. Ouais. Là, je suis dans le caca. Bon, je vais devoir me séparer de quelques friandises. Je vais dégager.
Eh ben oui. Voilà, là je transfère ce que j'ai en trop là-dedans. Ok, dans le vaisseau. Le vaisseau est pas très loin au final. J'ai pu téléporter les trucs. Donc là j'ai besoin. Je vais faire ma puce de piratage que je vais utiliser tout de suite ici. Pour voir un peu tout ce qui se passe. Et je peux choisir de voir ce que je veux. Si je veux, par exemple, je vais aller prendre ça. Transmission. Je pouvais voir s'il y avait d'anciens avant-postes coloniaux, des abris. Et là, j'ai découvert un observatoire qui a 6 minutes à pied. Incroyable! 6 minutes à pied, c'est long. C'est très long. C'est très long, mais c'est pas grave. Là, on a la petite planète là-haut, là. C'est pas mal du tout. Hop, à 25%. Alors, tout à l'heure, je voulais dans la grotte qui était ici. Je me demande ce qui s'y cache. Probablement rien. Ouais, c'est juste un passage. Mais c'est bien pratique quand il y a des tempêtes quand même, les grottes, parce qu'on peut se cacher, on peut s'abriter. Ça, c'est plutôt cool. Donc là, mon truc, il est à où? Observatoire. 6 minutes 43. Bon, on va y aller quand même. Hein. C'est l'aventure. Hein. Hop là. Petit saut de cabri en jetpack. La station spatiale là-haut. Ben, j'aime beaucoup cette planète, voilà. On a beaucoup de planètes de merde, mais celle-là, elle est très chouette, parce qu'elle a un bout bleu. Elle a des belles teintes. Oh, une nouvelle créature. Ah non, je la connais déjà. Oui, bon, très bien. Voilà. Arrête de m'emmerder maintenant. Tu veux d'énergie, en voilà. Continuons dans la direction de l'observatoire. Quel mystère vont nous être révélés. Quelle ancienne civilisation va s'ouvrir à nous. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Des arbres, des cailloux en forme de poire, des cailloux en forme de trucs rectangulaires, en iridium. Mon Dieu. Tiens, je vais en prendre un chouïa, là. Allez, à boule. Voilà, c'est bon pour ce que t'as. Un peu le drone, ça va, il est pas relou. J'ai aussi une torche, incroyable. Nous sommes à 3 minutes 50 de l'observatoire cette fois. C'est quand même cool qu'ils aient mis le temps, la prévision du temps, parce que c'est vrai que des fois on peut se dire... Il y a des vaisseaux qui passent de temps en temps, des autres planètes. Ça fait quand même des sacrées vues, quand même. J'adore.
Encore les mêmes bêtes. Sur cette station spatiale. C'est quand même dingue qu'on voit les stations spatiales. Alors qu'on est sur la surface, quoi. C'est pas une skybox toute plate. C'est vraiment le truc, quoi. Nous revoilà dans une région un peu plus luxuriante, mais où on n'a pas d'autres espèces pour l'instant. J'ai l'impression. On a beaucoup de d'isotopes là, toujours un peu. Voilà, mais on n'a pas un petit trésor là-haut. Mais on n'a pas d'autres créatures. Peut-être sont-elles cachées dans cette énorme grotte. Ça que j'aime beaucoup aussi, c'est monter une colline. Tiens, ah non, salaud. Monter une colline et découvrir. Ouais, n'aie pas peur, mon petit. Tiens, je vais scanner ces arbres. Ah, j'ai déjà découvert. J'aurais pas donné de nom encore parce qu'ils ont une forme assez incroyable. Hop là, oh là. Voilà, par exemple, un panorama comme ça. Voilà. Alors l'observatoire, il est où? Il est en bas là. Hop, on amortit la chute. Et c'est parti. Allons découvrir cet observatoire et les mystères qu'il nous propose. Le jour se lève. Parfait. Donc généralement, on a toutes les infos qui s'affichent, hein, tout le temps. Mais ah, voilà. C'est moi qui les ai désactivés comme un abruti, non? Ah non. Là, il fait moins 30 degrés quand même. Hein. On dirait pas comme ça. Mais il fait moins 30. Ah oui, dis donc. Ça, c'est un bel observatoire. Oh la vache, c'est quoi cette merde? Ah, je crois que c'était une araignée. Ça me fait peur. Oh là là, ça va pas, ça. Moi, si c'était ça, je retournais au vaisseau direct. Même pas, je patiente pas, hein. Je me casse. Je suis allé, ciao. Fuck l'observatoire, les araignées. C'est bien un seul endroit où j'ai pas envie de voir d'araignées. C'est l'observatoire. Chez à Marigot Quesh. Non découvert. Bah maintenant, ça y est. Donc là, on allait marcher. Ah non. J'ai jamais mis faire, hein, après toutes ces heures. On a le marché quelque part, et ben pas dans ce bâtiment là, c'est pas grave. On va voir de quoi il s'agit. Alors, cet observatoire, balise envoyée d'un lieu situé à des années lumière d'ici clignote de façon glissante sur le moniteur en attendant une réponse. Quelle réponse donner? Alors, en bas à gauche, là, au-dessus du réflecteur X-Cheneb, on a un code et donc il faut trouver la suite logique de ce code. Alors, 9780. Ok, donc là c'est des chiffres qui se décalent de 1 à gauche à chaque fois. 97, 80, 78, 80, 81, ça va être 0, 9, 78. Hop là. Et donc là, qu'est-ce qu'on va voir? Hop là. Et donc là, on a gagné quelque chose. Mais quoi? Ah, une ruine. Et donc voilà, là il n'y a plus qu'à. Donc, par contre, à 32 minutes à pied, ça j'ai jamais fait et je ne ferai jamais. Hein. On ne se fout pas déconner. Déjà 6 minutes c'était assez long. Alors 33 minutes, merci. Hein. Hop, donc là on va activer cette petite machin. On sauvegarde. Mais on peut par contre se rendre à ce point d'intérêt qui est à 1 minute 53. Rien ne l'empêche. Nous sommes libres. Nous sommes libres de découvrir des choses. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Alors, je comprends pas comment il peut y avoir 9 espèces, 8 espèces différentes d'êtres vivants et qu'on ne les voit jamais. C'est quand même assez embêtant. Ça, c'est encore les mêmes piafs. C'est les mêmes piafs. C'est les mêmes piafs. Allons voir donc ce point d'intérêt là. Je me demande ce que ça peut être. Tiens, ça je prends. Ah salaud. Pas le fer que je veux, c'est le rouge. Voilà, il y a deux trucs qui se sont emmêlés. L'isotope plus la ferraille. Ah, là, il y a des petites runes. Ça, on va apprendre des nouveaux mots. Hop là. Pierre de savoir. Ah, le mot joie en guèque. Ça peut servir. Ça peut servir. Alors allons donc réclamer ça. On était pas loin de l'autre quand même, faut pas déconner. Hop là. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, un autre plan de quelque chose. Ça avait l'air pas mal du tout, cela dit. Voyons ça. Multi-outils. Et multi-outils, et ouais, mais je vais devoir virer quelque chose pour pouvoir le développer, ça. Donc non, fuck. Alors, une puce de piratage, on va encore en fabriquer une, puisque c'est ça. Et on ne peut pas... Qu'est-ce qui me manque? Il me manque du fer et du plutonium. Très bien. En plutonium, ça va être vite vu, parce qu'il y en a juste là. Voilà. On prend un bon stock comme ça, tant qu'à faire. Et du fer, il y en a là. Hop là. Et voilà, il n'y a qu'à demander. Il n'y a qu'à demander. Hop. Alors, j'ai pas besoin de me mettre à côté pour le fabriquer, cela dit. Donc là, hop, on fabrique ça. Et on va l'utiliser là. Et on va encore découvrir autre chose. Alors, qu'est-ce que je vais mettre cette fois. Moi j'aimerais bien transmission parce que j'aimerais bien avoir un autre vaisseau. Voir les autres vaisseaux qu'il y a. Tour de transmission détectée. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que la tour de transmission ça fait que c'est lui qui va détecter le signal d'un autre vaisseau crashé. Ça c'est plutôt cool. Pendant ce temps-là, mon vaisseau là, à moi, si je veux y retourner, je me pose qui est ce con. Ah, il est là. Il est à 10 minutes à pied, les gars. Donc on n'y retournera jamais. C'est mort. C'est mort. Voilà pourquoi on y passe des heures là, dans ce jeu. C'est que les trucs, les distances, on les voit pas passer. Hein. On les voit pas passer. Toujours pas d'autres formes de vie, c'est quand même étonnant. Ça commence à m'inquiéter. Je me demande si ah non, elles sont pas derrière moi pour me prendre en embuscade. J'ai cru. Peut-être sont-elles cachées tout en haut de ce rocher et elles sont inaccessibles et que je suis bien marron. Je ne pense pas non plus. Arrivé dans cette tour, allons-y. 8 minutes de marche. On va discuter en ce moment. Qu'est-ce que pensez de cette planète? Moi, je l'aime beaucoup.
J'aime beaucoup cette alliance de. J'aime aussi beaucoup quand la nuit tombe avec ce bleu là. C'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Mais là, on va continuer. Oui, je sais, je cours trop vite. Je te calme un peu. Donc là, on va juste peut-être essayer de. Hop, voilà, on va ressortir par là. Parfait. Puis on aurait creusé un trou maintenant que j'ai mes grenades perforantes. Pose pas de problème. Hop là. Toujours des trucs par là, mais. Rien qui ne semble valoir la peine de se déplacer. Attention, qu'est-ce qu'on va découvrir? Oh! De l'iridium en colonne. Encore une fois. Eh mais attends, j'ai paumé la trace du truc. C'est par où maintenant? Ça, hein? Ouais. Non, parce qu'il faut pas déconner non plus, quoi. Pas quand, déjà que c'est loin, si je commence à partir n'importe où. Un drone! Coucou. Pas chier. Emmerdeur. Ok. Bon. Alors. Toujours les mêmes piafs. Ah, c'est des nouveaux piafs! Enfin, j'en sais rien. Et pour être sûr de savoir si. Oh là! Doucement, les gars. Pour être sûr que c'est des nouveaux piafs ou pas, on va utiliser la même méthode que tout à l'heure. Parce que là, il va vraiment falloir faire gaffe où est-ce qu'ils tombent. Parce qu'il n'y en a pas 36. Ils sont trop loin. Trouver la combine. Oh, ouch! Alors, où est-ce qu'ils sont cette fois? Ah, ils sont juste au-dessus. Voilà, bim! Ah, il est là, parfait. J'ai même pas besoin de descendre. J'espère que c'est un nouveau. Ah, parfait, une nouvelle marque d'oiseau. Bon, bah, j'en ai 4 sur 8, là, c'est bien, mais c'est quand même pas encore ça, hein. Tous les points sont verts, donc c'est bon. Alors, faut pas que je m'énerve trop. Ah, oh! Oh! Ah non, c'est toujours les mêmes. Regardez-les! Non, mec. Tiens. Toi, t'es nouveau, toi. Ah non. Alors toi, par contre, t'es nouveau. Yes. Ils sont mignons. Ah, mais c'est quoi? Tempérament imperturbable. Régime. Substance nutritive absorbée. Donc ça va, il va pas m'emmerder. Il va pas me chasser. C'est le principal. Regardez ça. Tout ce système caverneux là. C'est quand même chouette, hein. Qu'est-ce qui se cache en dessous? On sait pas. Une sorte de slime. Et ça fait que je m'éloigne, hein, parce on fait ça, on découvre, on explore, et puis on suit, on arrive, on se détourne du chemin après. C'est un peu chiant. Ouais, c'est ce paysage-là. Désolé, mais en même temps, non. Avec la planète au-dessus. Et une autre là. Il y en a deux. Une là. Classe. Alors, attends. Je vais encore partir dans le mauvais sens. Ça va pas du tout. Je peux même creuser un autre truc, un autre point d'intérêt avant. Parfait. Petit truc de soin. Parce que j'ai fait de la merde. Ça va m'être utile.
Oula. Heureusement qu'il y a le jetpack hein, pour les trous, parce que sinon. Ouais, il va falloir que je te remette du truc dedans. Voilà. Donc c'est ça, c'est qu'on est un peu tributaire de. C'est des vieux piafs. On est tributaire de la combi, mais en même temps, voilà, ça. Je trouve pas ça gênant de que j'ai à chercher. Qu'est-ce que ça? Je trouve pas ça gênant de devoir trouver des ressources pour ça. Puisque c'est pour ma survie, enfin c'est vraiment un truc utile et c'est concret quoi. Quoi? Pas jouasse toi? Ah ah ah, il y a un truc inconnu là, rouge. On va aller voir ce que c'est. Non, non, non. Oh la vache! Radical, passif, végétation. God damn! Putain, c'est énorme! Ouch! Ouf! Putain. Bon, je suis tombé comme une grosse merde. Quoi? Let's go, man. Oh la vache! Regardez ça, tout cet écosystème. Ah là, je suis à côté, ça tremble tellement ils sont lourds. Trop fort. 4,99 m. Une belle bête. Elle danse. Eh ouais. Classe. Ça c'est pas mal ça. Ce beacon. Cette petite... petite balise qui est nous indiquer forme de vie avancée dans 12 minutes. Bon, allez, j'arrête de causer. Ça va être la découverte. Ça va être l'aventure. Je me tais. Allez, à bientôt!
technologie rechargée.